tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit haul Lidl concernant plutôt la beauté. Mon mari m'a fait un plaisir ce matin, il a été faire les courses et puis il y avait pas mal de choses chez Lidl, on les avait repérées dans le catalogue et il a eu la chance de les trouver. Donc tout d'abord ce set de pinceaux de maquillage. Donc il se présente comme ceci à 9,99 €. Donc dedans on a déjà donc la pochette je trouve très très belle pour ranger les pinceaux. Elle a deux boutons pression comme ça sur les côtés. Donc voilà, hop, se présente comme ça. Et dedans on a donc 10 pinceaux. Franchement, déjà d'une comme ça, neuf, je les ai pas encore lavés, donc forcément, vu que je les ai eus ce matin, je voulais vous les présenter avant de les laver. Ils ne sentent pas mauvais, ils sentent pas fort le plastique. Par contre, l'emballage, lui, oui, il sent le plastique, mais les pinceaux en eux-mêmes, non. Alors donc, les pinceaux, donc je vous disais, on en a 10. Sur le devant, ben, le côté de la boîte, on a leurs différentes utilisations. Donc on en a pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres. Ils sont hyper doux. Donc voilà. Mon seul regret, c'est que ben, le plus gros des pinceaux teint, c'est celui-ci. J'aurais aimé un pinceau peut-être un peu plus gros, mais bon, c'est pas grave, ça fera quand même l'affaire. Donc comme je vous disais, ils sont super doux, ils n'ont pas l'air de vouloir perdre trop leur poil, mais ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, je vous dirai ce qu'il en est. Donc on en a un peu plus petit pour le blush, par exemple, lui aussi, super doux. Un blush ou pour faire du contouring un petit peu biseauté. M'a l'air pas mal du tout. Je vais les poser, ça sera plus simple. Un pinceau fond de teint. Donc voilà, toujours super doux. Alors celui-ci, ils nous disent plutôt pourquoi. Ben, ils disent pinceau correcteur, donc oui, pour l'anti-cerne par exemple. Applicateur pour du maquillage toujours évidemment et voilà celui-ci et les trois petits derniers je vais vous les montrer voilà donc franchement je les trouve pas mal après avoir à l'utilisation mais déjà comme ça je les trouve vraiment beaux rouge et noir. Il y avait une autre couleur, je crois, mais dans notre Lidl, il n'y avait plus que ce format-là. Donc 9,99 € pour un set de 10 pinceaux avec le rangement, je trouve que ça va, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, et je vous en reparlerai à l'occasion. Donc ensuite, une petite brosse nettoyante pour le visage, pardon, à 12,99 €. Marque Sanitas. Donc, je vais vous montrer comment elle se présente. Alors, petit set comme ceci, avec le mode d'emploi évidemment. Donc, il y a deux piles des AAA qui sont fournies. Donc là, le petit appareil se présente comme ceci. Et on a donc trois têtes. Alors la première tête c'est pour peau normale, la deuxième tête pour peau sensible et troisième tête pour faire tout ce qui est exfoliation. Donc bah, je ne l'ai pas encore testé parce qu'encore une fois je l'ai eu ce matin, mais je vais vous mettre une tête et puis vous montrer. Alors quand bon, voilà, ça se clipse, hein, c'est tout simple. Et pour l'allumer, il faut rester appuyé sur le premier bouton, parce que si vous appuyez comme ça sert à rien. Et en dessous, il y a un mode, vous voyez, pour qu'elle fasse un mouvement de rotation. Là, elle rotate tout le temps. Voilà, puis là, quand on appuie, elle donne un peu plus
de vitesse. Donc voilà, c'est le mode d'emploi, c'est facile d'utilisation, hein, franchement, voilà. À voir, je la testerai et je vous en dirai des nouvelles. Donc forcément, à utiliser humide pour ne pas s'abîmer le visage. Donc voilà. Ensuite, un applicateur de fond de teint comme ceci. Alors, que je ne dise pas de bêtises, j'ai marqué les prix sur le côté, 9,99. Donc déjà, je le trouve super mignon. Donc encore une fois, on a un mode d'emploi. Et là, on a quatre petites têtes, hein, deux fois la même. Donc, se présente comme ceci avec son petit cache. Voilà. Donc on a deux têtes pour appliquer le fond de teint liquide crème et deux têtes pour du fond de teint en poudre. Voilà, je ne sais pas si vous verrez vraiment la différence. Celle-ci, ça fait un peu comme une gomme, tandis que là, c'est vraiment tout velouté, tout doux, tout lisse. Donc pareil à voir et ça vibre. C'est vraiment, je sais pas si vous allez entendre le bruit, mais voilà. Donc pareil, je testerai et je vous dirai ce que ça vaut. C'est une pile bouton qui est fournie dedans, qui est juste ici. On tire la petite pour la mettre en route, la petite étiquette pour mettre en route la pile. Donc voilà, et je trouve vraiment que c'est un mignon petit appareil et bon, bah après, à voir ce qu'il vaut, mais voilà, c'était à tester. Ensuite, ça coûterait vraiment pas cher. Ils appellent ça brosse à sourcils, mais moi j'appelle ça petit rasoir à sourcils. Je voulais en commander sur AliExpress et j'ai vu qu'ils en proposaient, donc j'ai dit bah super. Donc il y en a trois dedans. On a un petit cache. Et puis voilà, avec la petite lame comme ça. Parce que moi, j'arrive pas à m'épiler mes sourcils, c'est juste une catastrophe. Donc je me dis que peut-être qu'avec un petit rasoir comme ça, j'arriverai peut-être à faire quelque chose d'un peu mieux, on verra bien. Donc bon, bah, à tester encore une fois et je vous en reparlerai. Si vous me voyez avec un sourcil en moins, bah, vous comprendrez que bah, j'ai totalement raté. On va espérer que je ne me défigure pas totalement. Et enfin, pour finir, un petit taille-crayon double embout. Pareil, valait vraiment pas cher, 1,49 € aussi. Donc, ça sera utile parce que le mien, il commence à peiner, il en a marre. Et donc, il y a deux petits caches comme ça pour protéger l'intérieur et donc il s'ouvre sur le dessus comme ça pour pouvoir nettoyer. À voir ce que ça vaut, si ça éclate pas les crayons, si ça les abîme pas plus qu'autre chose. Donc ça c'est pareil, je vous en reparlerai. Voilà ce qui conclut ce petit haul Lidl beauté. Je vous remercie tous pour vos abonnements, ça me fait super plaisir. Là on monte, aujourd'hui on était à 166 et bah ça me fait super super plaisir. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. J'essaye toujours de vous répondre le plus rapidement possible. Donc voilà, merci encore à tous de me suivre. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Moi, ça y est, mon mari est en vacances, donc ça va être que du bonheur. On va pouvoir passer du temps tous les quatre avec les enfants. Donc, je m'excuse par avance s'il y a moins de vidéos en ce moment, mais mes garçons sont en vacances et il n'y a plus de centre aéré, donc je peux plus prendre du temps pour filmer puisqu'ils sont avec moi et tant mieux parce que voilà, j'aime profiter d'eux aussi. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, je serai plus présente au mois de septembre au moment de la rentrée. Voilà, bon, et eh bien
Plein de bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.